une affection particulière pour les naques et notamment les reptiles. La conférence d'aujourd'hui, enfin de maintenant, on s'oriente beaucoup plus sur les chéloniens. C'est quelque chose qui va rester quand même assez basique. Après, si vous avez des questions un peu plus précises ou que je n'aurais pas forcément abordé, vous pouvez venir voir à la fin ou poser les questions à la fin de la conférence. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un chélonien? Qu'est-ce qu'une tortue? C'est déjà 346 espèces qui ont été identifiées à l'heure actuelle, dont 59 tortues terrestres, ici avec une tortue radieuse de Madagascar, 280 tortues aquatiques, dont une tortue alligator, et puis 7 espèces de tortues marines, dont la tortue lutte qui est ici. Ce qui est important, notamment dans les tortues, c'est de savoir différencier une tortue terrestre d'une tortue aquatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas et qui vont parfois voir une tortue aquatique se balader sur la route ou sur un terrain en s'imaginant que c'est une tortue terrestre et la mettre dans un terrarium sans leur fournir d'eau, alors que c'est complètement létal pour elles. Donc une tortue terrestre, une tortue aquatique. Comment les reconnaître? La tortue aquatique, elle aura une carapace qui sera beaucoup plus aplatie pour avoir une forme hydrodynamique, comme on dit, pour pouvoir beaucoup plus facilement nager. Donc c'est la tortue avec la photo de gauche, qui est une tortue de Floride, alors que la tortue de terre à droite, une tortue d'Hermann, qui a une carapace beaucoup plus massive, beaucoup plus bombée. Le cou chez la tortue aquatique va être très allongé pour pouvoir permettre d'aller chercher les poissons, les vers de terre et la vase assez loin, alors que la tortue terrestre aura un cou beaucoup plus trapu et beaucoup plus petit, parce qu'elle a juste à manger les végétaux qui sont devant elle. Enfin, les membres sont plutôt aplatis avec des doigts palmés chez la tortue aquatique pour mieux nager, alors que la tortue terrestre, pour pouvoir supporter son poids et se déplacer correctement, aura des membres massifs et arrondis. Enfin, les griffes seront fines et allongées chez la tortue aquatique, alors qu'elles seront larges pour permettre de gratter dans la terre ou dans les végétaux chez la tortue terrestre. La tortue est donc constituée d'une carapace, principalement avec 4 membres et un long cou qui est rétractile à l'intérieur de la carapace. Cette carapace, on avait tendance à penser que c'était juste de l'os ou de la kératine. Et avant, on ne savait pas trop quel était son rôle, mis à part celui de la protection. Maintenant, on sait que c'est un organe à part entière qui est vascularisé et qui est nerveux. C'est-à-dire que tout choc, toute fracture de la carapace sera douloureuse pour la tortue. Mais elle a effectivement un rôle de protection pour les organes internes et elle est soudée à la colonne vertébrale. On voit également que les membres sont rattachés à elle. Donc ici, on a une petite vision interne de la tortue qui a des organes comme tous les mammifères également et tous les tétrapodes. Quelques particularités, donc elle a aussi des poumons et elle a donc une seule ouverture au niveau du cloaque où on va avoir l'excrétion de tout, donc des selles, des urines et aussi l'aboutissement des organes sexuels. C'est par ailleurs aussi à cet endroit que vont pouvoir sortir les œufs. La tortue d'ailleurs pond en moyenne une fois par an. Un petit point sur les régimes alimentaires, donc on trouve des trois, herbivores, carnivores, omnivores. Carnivores et omnivores, c'est plutôt chez la tortue aquatique, alors qu'herbivores, c'est la tortue terrestre, bien qu'on s'est rendu compte que de temps en temps, elle pouvait se satisfaire aussi de quelques cadavres. Alors, une particularité chez les tortues, je pense que vous en avez entendu parler, c'est le déterminisme sexuel qui dépend de la température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de la ponte et de la température qu'il va faire, on va avoir des femelles ou des mâles. Donc ici, un petit graphisme avec TM, donc les températures masculinisantes, où on va avoir principalement des mâles qui vont naître, TF, les températures féminisantes, on aura principalement des femelles, et enfin TRT, c'est la température transition, où on va avoir un peu de mâles, un peu de femelles, voire même des individus qui sont dits intersexués. La période où la température est importante et assez courte, c'est au moment où les organes génitaux se forment, et ça peut représenter entre 18 à 30% du développement embryonnaire. Donc on a différents types de graphiques, soit un graphique où les températures basses vont favoriser l'apparition de mâles, donc c'est le type 1, on connaît donc pour toutes les tortues marines et de nombreuses tortues aquatiques et terrestres,
Alors que le type 2, où ce sont plutôt les températures qui sont basses qui vont donner des femelles, donc là c'est tous les crocodiliens et de nombreuses espèces de lézards et de tortues terrestres. Alors ensuite, une autre question qui arrive fréquemment, c'est comment sexer une tortue ? Il faut savoir que quand elles ont moins de 5 ans, c'est assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup de dimorphisme sexuel. C'est quoi le dimorphisme sexuel ? Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre les mâles et les femelles. Donc avant 5 ans, il y a très peu de dimorphisme sexuel. Ensuite, je vais vous donner quelques clés pour essayer de savoir un peu. Dans la grande généralité, les mâles sont plus petits que les femelles. Ça reste une généralité. Alors, pour les mâles, j'ai mis quelques astérisques aussi parce qu'il y a des choses qui sont valables pour les tortues aquatiques et les tortues terrestres, d'autres choses qui ne sont valables que pour les tortues aquatiques et d'autres que pour les tortues terrestres. Donc, pour les tortues terrestres, le mâle va être concave, c'est-à-dire il va être creusé en dessous pour pouvoir correctement s'accrocher à la femelle quand il va saillir. L'ouverture des plaques anales, comme on voit sur les photos, c'est des plaques qui sont basses vers le cloaque et vers la queue, vont être beaucoup plus larges. Alors chez la femelle, on va avoir un plastron qui va être plutôt plat et des ouvertures de plaques qui vont être étroites. Au niveau de la queue, que ce soit chez les tortues aquatiques ou les tortues terrestres, chez les mâles, elle va être très longue avec le cloaque qui sera en bout, loin de la base de la queue. Alors que chez les femelles, elle va être très courte et le cloaque très proche de la base de la queue. Et enfin, pour les griffes, chez les tortues aquatiques, chez la plupart des tortues aquatiques en tout cas, les griffes des antérieurs seront très longues, alors que les griffes des antérieurs chez les femelles seront plutôt courtes. Un petit mot sur la répartition mondiale. Donc les tortues marines, principalement quasiment tous les océans et les mers, et les tortues terrestres, on peut remarquer qu'elles occupent quand même une grande variété de milieux. Donc notamment des déserts, des marécages, des rivières, des lacs, des forêts, notamment les forêts tropicales. Et donc on voit vraiment que, mis à part les milieux arctiques, antarctiques, pas mal de milieux sont colonisés. Ce qu'on voulait aussi vous mettre en avant, c'était l'importance de la conservation et de la menace des tortues. Il faut savoir que les tortues en France sont protégées. On a des tortues qui, on va en parler un peu, qui sont originaires de France et d'Europe. Et qu'il y a certaines menaces qu'on peut permettre d'éviter ou sur lesquelles vous pouvez jouer aussi. En 2011, environ 50% des espèces de tortues sont menacées d'extinction, ce qui est assez énorme. On voit sur la carte qu'on a différents risques de menaces présentés. Donc là où les tortues sont inféodées à des milieux tels que les îles, où on retrouve des populations assez restreintes en territoire, c'est là où en général elles seront les plus menacées. Ou bien quand les menaces seront très fortes, par exemple la consommation est très prononcée. Quelles sont ces menaces ? Donc tout d'abord la destruction, la dégradation de l'habitat, l'urbanisation, les feux de forêt, donc des choses qui peuvent être liées à l'homme ou non, mais l'activité humaine avec la construction de routes, la fragmentation du territoire va quand même favoriser ces menaces au niveau des populations. Les espèces invasives, c'est quelque chose qu'on a en France. Pourquoi ? Parce qu'à une certaine période, c'était la grande mode des tortues de Floride. Les gens achetaient comme ça en animalerie, ils n'avaient pas forcément de renseignements et d'informations complètes. C'était des petites tortues qui faisaient une dizaine de centimètres de diamètre. Sauf qu'en les nourrissant, elles peuvent faire jusqu'à 20 à 30 centimètres de diamètre. Sauf que c'est un peu trop gros pour les aquariums qui étaient fournis. Et du coup, les gens, ne sachant plus comment les gérer, les relâchaient dans la nature. Sauf que ce sont des tortues qui s'adaptent très bien à nos milieux et qui empêchent les autres tortues de pouvoir prospérer correctement en piquant la nourriture, en piquant les habitats et en mangeant même parfois nos tortues à nous. D'autres menaces, forcément, la surexploitation, la pêche. Alors même si les tortues marines ne sont pas censées être pêchées, mais se retrouvent quand même dans les filets de façon accidentelle. Dans certaines îles ou sur certaines côtes, les œufs qui sont récupérés de manière traditionnelle. Les tortues qui servent d'alimentation aussi elles-mêmes. On a d'autres photos avec le commerce de tortues en grande quantité. Et
des gens qui partent parfois en Amérique du Nord, il y a beaucoup de marchés, ou en Asie, où on vous donne des petites tortues comme ça, c'est pas cher, c'est mignon, sans vous donner forcément les informations, et vous savez peut-être même pas que ce sont des espèces protégées. Alors, donc je vous parlais des tortues françaises. Donc on a trois espèces qu'on retrouve à l'état sauvage. Donc la tortue d'Hermann, la cistude d'Europe et l'émile lépreuse. Donc la cistude d'Europe et l'émile lépreuse sont deux tortues qui sont dites aquatiques et marécageuses. Par contre, donc, je parlais de la tortue floride qui, elle, est relâchée de manière... Enfin, maintenant, un peu moins parce qu'il y a un peu plus d'informations, mais c'est elle qui cause beaucoup de dégâts au niveau de nos tortues terrestres à nous. En plus de toutes les menaces, notamment destruction de l'habitat que j'ai évoqué. Donc si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas.